se déporter, qui travaillait pour vous, Druckmann, qui fait les fonctions de Mahur, Charles, et qui est mort à l'Allemagne. Comme nous avons eu notre secrétaire communal à Montrance, déporté, mort à l'Allemagne. Il fallait venir à l'évier d'être un Algérien, non? Laissez que ce que nous, comme voilà nous autres, des habitués dans le monde des peuples, etc., il fallait venir à l'évier devant les centres. Rixi, c'est tout cela, non? Pourquoi? Ah, mais c'est réglé d'avance parce que toutes les déportations qu'on s'est voulu lieu des communistes et des socialistes, c'est ça des dénonciations, non? Ça. Des camarades. Et Rixi, c'est une brama plus fouée et qui charge. C'est ça. C'est ça. Il a vu d'ailleurs le centre d'activité est vieille, hein? En pareil chimique, elle s'appelle bien. Dinali fait vieille qui compte fallait bien. À ce temps-là, il y avait une pharmacie solitaire, par exemple, eh bien, fallait vieille. Mais il y a les pharmacies vieille, mais Dinali fait un bureau en verre, ni tout ça, il y a les films commission vieille, il y a remonté, il fait m'amuser, par exemple. Il n'a pas vu en fouet partir existe, Chalam. Ah ouais, non. Ah ouais, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que tu es surtout influencé par le docteur de Pontière, hein? Une personnalité qui a vu un nom, si tu peux dire, et qui a vu une certaine influence sur les jeunes. Les jeunes. Il a d'ailleurs un fils, quand Moriac, en franc russe, et un autre, il en avait deux, et un autre qui était l'Allemagne pour le moment, qui est marié dans le monde et qui n'a jamais appuré nous après Charles. Et c'est tu en partie qu'est-ce que tu montais devant la guerre ou d'éteindre la guerre principalement? L'Erexis? L'Erexis de Chalam. Ah, devant la guerre, hein? Devant la guerre, il n'avait pas. Ah, ouais, non. Et il faisait des meetings? Ah, oui. Ah, ouais, non. Oui. Et qu'on l'a y fait? Ah, il me rappelle, par exemple. Il me rappelle d'un meeting à Stocker ou de Grel. C'est tu as stocké, que mes qu'on illumine maintenant les soldats stockés là. Enfin, c'est le plus grand soldat stocké. Charles Sol place à dire mon nom là. J'ai trouvé le nom que mec qu'on illumine fast un là. Eh ben, il avait plus élevé des contre-manifestants qu'un seul. Mais aux amis, font nos clocards. Femmes et hommes. Et Jonas, plus ou moins, en autocar, et Turto, avant le matraque ou le baston allemand, non? Et Jastin, là, je comprends. C'était des milices privées. Et alors, le matin, qu'est-ce que c'est? En local, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en local? Et nous autres, nous estimons donc sur la place devant le local à mon émet, qu'on brief, et cela, il y avait déjà des haut-parleurs. Et nous avions privé où? Dans le prêtre qu'on est sorti, oui. C'était parce qu'il arrivait dans une grande limousine et on a vu privé où de saboter la limousine, enfin. Mais lui, nous a vu saboter, lui, aussi. À la place de quand le matin qu'a été fini, à la place de sortir par les devants, par les façades des locales, il a sorti par pour les drilles et... On l'a moins vu. Et on l'a moins vu. Est-ce que tu en quelle année, celui-là? En 36-37, pour le plus sûr. Est-ce qu'à ce moment-là, on sait pif déjà qu'il est tué en rapport avec Hitler, qu'il a vu des sangs? Ah, il a vu des tendons. Oui. Il a des hefnets, lui, naturellement, mais. Oui, hein. D'ailleurs, il a été financé par. Bien sûr, par Hitler, mais qu'on parle des autres. Quand vous avez dit, par exemple, qu'on détruit. Distribuer tous les dieux, le pays réel, pour rien à toutes les populations. Une gazette. Ah ouais. Ouais. Et à mars, élections, ils avaient à vous des conseillers? Il n'a jamais voulu l'élu à moi. Non.
qu'il n'avait pas voix eu. Il n'avait pas voix eu, oui. Mais Inch'Allah, Amman n'a jamais voulu. Non. Et un coopératif du temps de guerre, qu'est-ce qu'on filme? Ah, mais, temps de guerre, coopératif, tout d'abord, après l'évacuation, nous avons rentré à Al-Bolji, si je peux dire, où ce qui encore à ramasser les camions que je viens de se tuer. Avoir les voies, il y a les devoirs, parce que c'est ce qu'on a les devoirs. Et entre parenthèses, on a vu un reste trop malheureux, on a vu récupérer vraiment. Alors, on a attaqué à faire de la production de points, ravitaillement, bien sûr, timbre, etc. Et également, on servit charbon, parce que nous avions un arrêtement à ce qu'on oublie les secours d'hiver. On peut. Ça, c'était une maille. Sur la fin de l'année, quand on a commencé à s'organiser, nous avions un arrêtement pour les secours d'hiver. Ce qui consistait, on recevait tout le charbon par bateau. Et on distribuait cela que. En face de l'aigle noir, qui met ce nom-là. Qui est d'autres bandes. Et tu me dis, ben, disserdial le houille c'est, à ce moment-là, c'est tu monter le houille, il faut débattre le bon, ça vous ne bon, ça c'est pas le venir vous dit devant les camions, non? Alors, ça c'est compris comme travail lourd, ça. Et nous avions dru, notre brigade, nous avions dru comme travail lourd. Comme travail lourd, on boquait de pain de plus et on nous apportait un bol de soupe tous les jours dans le prison des rues. Dans le soupe à favette, comme les prisonniers avaient. Et c'est ça qui nous avaient de plus comme travail lourd. Et on distribuait tous les jours? Ben, c'est-à-dire, tous les jours, il a vu des batailles pour l'Union et il a vu des batailles pour les secours d'hiver. On fait des trois ou quatre batailles tous les mois, enfin. Ça dépend de ton âge aussi, également, des batailles. Hein. C'est-tu des batailles pour Ama, non pour U? Pour U? C'est-tu à U, ça? Ama, c'est-tu pour toi? Non. U, Ama, est-tu considéré devant une autre zone? C'est-tu surtout U, Benahin, Wons, Honté? Donc vous offrez une POU à l'Union Coopérative. C'est ça. Et je n'ai jamais été trop inquiété, mais parce que je suis devenu brigade de travail lourd. Je n'ai jamais été au Calouer Bestel ni tout cela. C'est ça. Vous êtes en paix tranquille, en paix tranquille. Ah ouais. C'est une vraie de débardeur, ce qui n'a vu de plus. Comment dirais-je? Des pudeurs. Des pudeurs. Face figurée, monter fou dans le bataille ou une bonche, des tiers bonches, ça c'est sport. Hein? C'est tout comme ça d'ailleurs d'avance qu'on le faisait. Hein? On a. Puis là, les poussières qui font tout mieux pas. Devant les reins, là, hein? Et un petit peu de plus gros, et à la fin de la journée, il va juste être blessé, enfin. Hein? C'est une vraie pour ne pas exagérer, des martyrs, enfin. C'est fallu le café sur la houille, à l'oreille. Tu as perdu également. Tu as fait également des bâtons de maïs, non? Après, devant la guerre. Il fallait, là, c'est une montée de 7-5 kilos de bâtons. Tu dis qu'il y a d'autres bons? Non, à Statsou, là. À Moulin de Statsou. Oui. Est-ce que tu n'as l'ouvrage de ce qu'on nous met les lettres de bas, Soula? Je ne parle pas de Soula, mais. Mais là, tu as dit des gens qui ont dit des charges d'inassèche, des béveux. Ouf! Il a vu, oui, je viens de le dire, il a dit que nous voulons les chilos. Et l'empereur, c'est surtout de ces deux-là. C'est-tu des noms mais tout, ou là? Chilo, c'est-tu des noms mais tout. Mais l'empereur, c'est-tu réellement ce nom, l'empereur? Il a comme fille, il crut
qui meurt à Stade et qui était en café à Stade, à mon empereur. Ben, c'est surtout des débardeurs de moulins et des stades. Hein. Travaillent une fin que ça. Et quand on a vu une bataille de Serdi, à Stade, ben, c'est une moutée de l'étude de parce qu'il estime de faire. Que ce pour minin là, sur les petits ponts de mes haies là. Hein. Mais c'est des fouilles de bœufs. Des bœufs de péqués, non? Ça, manqué, non. Il est plus à voir de vieux un homme qu'un bœuf, non? Par exemple, donc. Ah ouais? Ouais. Alors, pendant la guerre, on a comme ça, arrivé à la fin de la guerre, tant bien que mal, en distribuant des charbons donc pour les secours d'hiver, on fait même dormir à domicile, en sac de 50 kilos. Et à côté de ça, nos films de prise devant les fermes pour ravitaillement du froment, avoine. Et c'est tout. Mais ces prises qu'on fit, alors c'est-tu pour résistance? Ah non, 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 non. Non, c'est-tu sur le conseil des Allemands? C'est-tu sur le contrôle des choses de l'agriculture qui se trouvait là en deux potes, là, les fameux. Comment est-ce qu'on le met sous le nom? C'est-tu. Ravitaillement, enfin. Donc c'est-tu organisé par les Allemands? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et nous minions sous le nom autres, t'as fait. Ce qui nous ont vint devant le sens, c'est une toffeur pour le moulin Troquet qui n'existe plus là. Est-ce qu'il y a des Coin. Il est de Vervi, mais il habite du Coin. Ah. Il y a ce sauvain au Coin, on sait bien, nous y vint des prises des choses aussi, hein, devant le sens. Hein. Comment est-ce que ça se passe sous là? Les sens, ils s'épinent sur là que vous allez. Ah, mais c'est les saints ici qui téléphonent, on tire du nos bâtons, et il faut amener, enlever non. Parce qu'on tient une main de voir des années un peu, hein. C'est ça, c'est le contingentement qui... Mais il y a vu un bureau, Joseph Charles, a eu, qu'est-ce que tu as deux potes, là. Ça a vu pas, non, il y a rouvé, ça, là, hein. C'est une agriculture. Et les saints-ci, elles n'est qu'achines, évidemment. Ce qui tient bien, c'est qu'on faisait venir quoi, si on avait un kilo d'azel. Oh non. On sera fief, quoi, bien qu'on a tief. Et non, camion de frémin a enlevé devant tel saint, c'est pas réalé. Mais on sera fief un petit peu, mais. Parce qu'on comptait, on a vu te faire ces petits sacs, hein, a voulu, quand c'était assez content qu'on pourrait avoir un kilo ou deux de fromain, mais on avait un sauvain russé. Les bandines? Oh, mais ouais, non. Mais il y en a été, Charles, mais à 45 francs le kilo. Existe-tu normalement combien? Oh! À ce moment-là, les ravitaillements peuvent dire devant les 2 francs 25 pour le plus sûr, non? Oui. Mais marché noir, il n'a pas eu Charles à 45 francs parce que j'ai vu mes petits gamins, qui va avoir 40 ans. J'ai vu mon papa Charles et ma maman qui est malade. Hein? Il fallait essayer d'améliorer un peu l'ordinaire, hein? Ah oui, c'est une époque difficile, très difficile pour des certains. Je me rappelle bien, j'avais des parents absents. Et elles avaient des facilités, ils avaient un peu des bourres et de l'or. Eh bien, tous les samedis, j'ai repassé pour mon parrain, et on m'a eu fait mes petites choses. Mes petits colis, des bourres et un pot de l'or. Eh bien, quand j'ai vu pas, il me demande un peu voir de ce qu'on m'a vu ni à l'Union. Quand j'ai vu pas, mes quarts de kilos de bourre et mes petits bocats de l'or, eh bien,
Mais moi, je peux faire des secondes, mais je n'ai pas.